Bonsoir. Bonsoir, Brahim. On a le droit à combien de chances? On a le droit à combien d'essais? Cartman, d'après vous, quelle est la particularité de Brahim? Il a un micro-pénis? Réfléchissez bien, Arthus, peut-être? Moi, je dirais... c'est le sosie officiel de Stromae? Non. Ça pourrait. Eh bien, non. Brahim est intolérant au gluten et il va nous expliquer. Je le savais aussi. Non, Brahim est le deuxième homme le plus grand du monde. Il mesure, je ne dis pas de bêtises, 2m46. N'importe quoi. Et vous chaussez du 60. Ouais, vous faites 2m46? Ouais. Vous rigolez ou quoi? Ah bah oui. Je fais 1m72. Je suis quasiment. Je fais. Il y a quoi? Il y a combien? Ça se joue à rien. Franchement, dis la vérité. Ça se joue à rien. D'accord. Non, et les pieds les plus grands du monde. Brahim a les pieds les plus grands du monde, puisqu'il fait du 60. Ouais. Trop génial. Exactement la hauteur de son nombril. Moi, je suis grand, normalement. Dans la vie, on me dit je suis grand. Ouais. Là, j'arrive au niveau... Je te jure, j'ai l'impression d'avoir 3 ans et d'être à côté de mon père. C'est génial. Et bien justement, Brahim est en amour et il a accueilli Maxime Musca chez lui et lui a fait visiter son appartement. On regarde. Bon alors, c'est cette porte? Cette porte. Ça va? Bonjour Maxime. Tu veux bien? Ça va, très bien. Tu me fais visiter ton appart? Oui, avec plaisir. Voilà. Ah oui, ça c'est un grand lit ça. Combien il fait ton lit? 2m80. Tu peux venir faire une petite sieste avec toi? Oui, bien sûr. Et franchement, il est bien ton lit. Au revoir. C'est vraiment ton niveau ça? Ah ouais. Ouais, il faut sauter quoi. Mais c'est dangereux de sauter dans une salle de bain. Ah oui. C'est ta baignoire. C'est ma baignoire. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je vais tester parce que... T'as ramené ton gilet de sauvetage? Pour moi, c'est une piscine, hein. Clairement... Je vais te montrer la cuisine. Ah oui, donc c'est plus haut aussi. Ouais. Pour prendre le ton à la catalane. Ah oui, ouais, c'est pas évident, c'est pas fait pour moi. Ok. Tu veux qu'on compare nos chaussures? J'ai les très grands pieds, je chausse du 46. Ah bon? Ouais. C'est du combien? C'est 60. C'est les pieds les plus grands du monde, c'est le record mondial. Selon le livre Guinness des records. Je ne peux pas rivaliser là-dessus. Est-ce que tu peux mettre ça pour qu'on arrive à visualiser ce que tu vois toi? Donc là, tu me vois comme ça, toi? Ouais, je te vois comme ça. Ok, bah je verrai les images après. Et du coup, pour les voitures, c'est compliqué ou pas? C'est pas adapté, mais moi, je m'adapte avec la voiture. Il faut que je recule le siège comme ça. Ouais. Mais le problème, c'est pour conduire la voiture. Si vous avez une grosse voiture avec la double pédale pour pouvoir faire pour passer le permis, c'est ça? Ouais. Eh ben appelez Brahim. Bertrand, c'est ton défi, c'est que tu fous sa voiture. Voilà, Brahim. Et ça, c'est la basket de Brahim. Et ça, c'est sa chaussure de ville. Brahim, comment ça se passe pour trouver des vêtements? Parce que c'est tout du sur-mesure, j'imagine. Et les baskets, comment ça se passe? Oui, pour les vêtements, c'est sur-mesure. Et par contre, pour les baskets, j'arrive à les trouver aux États-Unis. Ah d'accord, aux États-Unis. Ouais. Et dans le sujet, on voit vous parler de voiture avec Maxime. Vous avez un vrai coup de gueule à passer parce que vous avez un problème, c'est pour passer le permis. Parce qu'il n'y a pas de voiture, je crois, qui sont adaptées. Oui, effectivement, je trouve un grand problème pour passer le permis de conduire. Ouais. Mais j'ai le patron du parc où je travaille, il fait un grand travail pour que je passe mon permis de conduire. Il y a aussi un autre monsieur qui s'appelle Stéphane qui a un forum auto-école à Beauvais. Avec les dossiers de Benjamin, mais malgré tout ça, on n'arrive pas à trouver une voiture. Non, mais c'est surtout qu'avec le recul, il te faut un volant. Il faut un énorme recul. Et alors, si vous prenez une voiture, que vous enlevez les sièges avant et que vous vous asseyez direct sur les sièges arrière, ça marche pas? Non, c'est pas bien. Au niveau de la vision, c'est pas bien. Mais non, il faut que tu aies le volant. Oui, mais du coup, si vous avez la tête dehors, un cabriolet, c'est vrai. Non, mais en tout cas, s'il y a... Non, le problème, plutôt, c'est au niveau des jambes. Alors, s'il y a un constructeur automobile qui peut construire des voitures sur mesure, ça serait sympa pour Brian. Oui, même la moto, tu peux pas faire la moto. Ah non, parce que j'ai des longues jambes. En revanche, il peut faire des trucs que nous, on peut pas faire. Selfie, je vous passe mon téléphone, on fait un selfie avec le plus grand selfie du monde avec le public. Ouais, on fait un selfie avec... Allez. Hop. Ah bah oui, c'est lui qui a le plus long bras, ça. Mais alors, comment on va faire? Tu vas pas le voir? On va voir. Ah, ça se met toi. Avec tout le public. Tu peux pas faire les oreilles. Merci, Brahim. Viens. Arthus, viens. Tiens, on la poste tout de suite sur les... Willy, viens. Qui, moi? Bah oui, tu fais une photo de nous. Oui. On s'en fout de toi sur la photo. En fait, ce qu'on veut, c'est le recul. Bah, j'ai une émission, quand même. Oui, bah d'accord, après. Hop là.
toi. Et on repassera le message pour les voitures sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Raïm. C'était notre vidéo, Nicolas.